Invictus Gaming qui va affronter les J-Rex, c'est notre match, c'est donc le seed numéro 3 de la LMS qui est passé par les play-in qui va affronter le seed 2 de la Chine. Sur le papier, Invictus Gaming est tout de même assez largement favori et il y a un joueur qu'on attend de voir avec impatience, c'est le mid laner Invictus Gaming, c'est Rookie. Voilà, c'était un peu notre fil rouge de ce groupe, on voulait voir Rookie contre Caps, c'est pas aujourd'hui mais au moins on va pouvoir voir un peu le niveau de cette équipe Invictus. On va pouvoir jauger, c'est-à-dire qu'on a vu Caps, on a vu les Fnatic. De l'autre côté, on va voir l'Invictus qui valent face au J-Rex. Alors, Laure et moi, on pensait plutôt que ça allait être un gros son. Toi, tu es grand défenseur de la LMS, à te dire. Non, mais J-Rex peut tenir. Je suis pas grand défenseur de la LMS. Je peux pas blairer le style de jeu des Flash Wolves. Maple avec son Sion me fait vomir. J'ai pas d'affinité avec Mad. Mais pour le coup, je pense que J-Rex est loin d'être une équipe ridicule. Donc oui, je les vois perdre. Mais pas, genre, ils vont pas prendre ce qu'Undrethi vient de manger dans la tronche. Après ce qu'Undrethi vient de manger, la seule équivalence qu'on a eue, c'est hier RNG Cloud9 globalement. C'est à peu près la seule chose, c'est-à-dire que pour le moment, NA, c'est pas incroyable. Seul Liquid a fait à peu près bon visage face à Katie, c'était pas mauvais. Mais c'est Katie Rolster. C'est Katie Rolster. Et pour moi, c'était Impact sur Urgot et c'est pas un gros tank en fait. Impact sur les gros tanks, il est très bon, il a une bonne science du TP. Mais malheureusement, dès qu'il est sur un pic, Lycoris sur Urgot, ça a très bien marché par exemple. Et Lycoris, c'est un très bon joueur de carry. C'est de toute façon un des joueurs clés. Du côté Cloud9, mais ça on aura le temps de le voir contre Vitality, on aura Cabo contre Lycoris, ça va être intéressant, c'est le match juste après celui-là. Là on va pouvoir observer un petit peu les J-Rex qui sont passés par cette phase de groupe, qui ont affronté, si je ne me trompe pas, les Gambits. C'est Gambit ou Supermassive? Il me semble que eux c'était Gambit. C'est Gambit. Ouais, c'était Gambit eux. Et bon, de l'autre côté, Supermassive, de toute façon, ça c'est pas... Mais non, voilà, c'est Supermassive, voilà, ils ont eu 3-1 contre Supermassive. Ces Gambits étaient tombés contre les Cloud9, et oui, les Cloud9 qui avaient archi galéré à s'imposer contre les Gambits. Ouais, c'était assez étonnant, parce que je voyais Cloud9 un petit peu plus fort que ça, quand même, finalement, et les Gambits qui ont réussi à les maintenir. Mais bon, globalement, pour les J-Rex ici, on va voir ce qu'ils peuvent faire maintenant, tenir les Invictus Gaming, enfin... Pour avoir vu la finale de la LPL, quand même, les Invictus Gaming, c'est comme donner du fil à retordre au RNG. Et plus que ça, même, ils ont pris des games. Ça se basait notamment sur ce fameux smite un petit peu fail au niveau du up de Nashor. Mais tout de même, Invictus Gaming, je les vois ultra forts et ultra dominants. Et c'est full monstre en fait. C'est-à-dire, individuellement, c'est une équipe qui est scandaleusement forte. C'est-à-dire qu'il y a The Shy ou Duke sur la top lane. The Shy, c'est l'étoile montante en Chine de la top lane. Sur la mid lane, Rookie, considéré comme un des trois meilleurs mid laners du jeu. Jackie Love qui est un monstre technique à la décarie. C'est sûr que ça fait peur. C'est sûr que ça fait très très peur. Là où du côté d'Edgirex, c'est bon, mais on n'a pas d'individualité aussi fort. Donc la question, c'est savoir, est-ce que Invictus Gaming va tenter un stomp en lane, ou est-ce qu'ils vont jouer un style assez safe et assez conventionnel? Honnêtement, je ne sais pas. Bah, moi j'aimerais bien le style chinois qu'on a vu au Rift Rivals, et qui après a été importé des Rift Rivals jusqu'en Corée, qui a été très tôt dans la game, voir des regroupements à 4 à 5 pour avoir des teamfights et justement emballer la game rapidement. Et j'ai peur que les J-Rex ne soient pas préparés justement à gérer cela, parce que chacun de leurs joueurs sont en dessous pour moi effectivement de ce qu'on a du côté d'Invictus Gaming. Et autant ils peuvent avoir une macro qui était bonne, les J-Rex, mais ils savaient pas finir les games comme tu disais tout à l'heure. Ça arrive sur une game. Ça arrive, c'est pas non plus un statut absolu comme quoi les J-Rex savent pas finir une game. Mais c'est pas leur point fort. C'est pas leur point fort, et le problème c'est que face à Invictus, si les Invictus Gaming font le style à la chinoise que j'attends, c'est-à-dire très tôt des regroupements du gros snowball, j'ai peur que les J-Rex soient pas préparés à ça et sachent pas comment réagir, comment réussir à perdre des choses le plus lentement possible pour scale. Je sais pas ce qu'ils vont essayer de jouer les J-Rex, je pense que c'est une équipe assez polyvalente. Donc ils peuvent très bien essayer de prendre une phase de lane, comme essayer d'aller chercher une équipe un peu plus mid-game. Ce que je déconseillerais tout de même, c'est d'aller chercher quelque chose qui scale ou qui speed push, parce qu'effectivement c'est peut-être pas leur plus grande force. Donc le truc c'est que prendre une phase, se dire que tu vas aller en phase de lane et outplay les Invictus Gaming, c'est assez prétentieux.
Donc on ne devrait pas s'orienter là-dessus non plus. Moi je suis assez curieux. Je suis assez curieux de savoir ce que cette équipe qui est sortie des play-in va pouvoir donner. Ouais, j'ai hâte de voir ça. Après, il faut savoir aussi qu'il y a un des picks principaux côté Invictus Gaming de Jackie Love. C'est son Lucian. Et Lucian, c'est un pick qui peut faire des merveilles entre de bonnes mains. Alors c'est un pick qui est très agressif early game justement, mais c'est le genre de pick que j'aimerais beaucoup voir sorti dès maintenant par l'Invictus. C'est pas un pick qu'on voit très régulièrement, c'est beaucoup de Xayah, Kai'Sa qui sont les picks les plus récurrents, mais dans de bonnes mains comme ça, histoire d'arriver directement dans les Worlds, parce que c'est la première game de ces deux équipes, et dire voilà ce qu'on peut faire, voilà ce qu'on va mettre aux autres équipes, ce sera un message fort je pense de la part de la Chine. Ben faut voir, c'est, disons que ce qui est dommage pour... Pour G-Rex, c'est que donc c'est Candy qui va jouer contre Rookie. Candy qui est un des playmakers de cette équipe G-Rex. Il a joué un assez gros éventail de champions sur ses play-in. Hein. On a eu deux Syndra, mais on a eu aussi Aatrox mid, Yasuo mid, Cassio, Irelia, Lissandra et Ryze. Donc le joueur a joué beaucoup de choses différentes. Il s'est adapté énormément à la stratégie de l'équipe. Sauf qu'en face, il y a un mur. Il y a un mur en face de lui. Donc est-ce qu'il y aura assez d'ouverture? Dans le pire des cas, ça pourra partir sur de la Syndra, mais on a bien vu ce que Caps vient de faire à une Syndra, on a vu hier ce que Jizuke a fait à une Syndra. Rookie, c'est le même traitement, tu lui mets une Syndra, il va trouver quelque chose pour t'ouvrir en deux. Et c'est ça qui est juste monstrueux sur ce joueur quand même, hein, Rookie. Et finalement, quand ton joueur playmaker c'est la mid lane et qu'en face t'as peut-être un des meilleurs mid laners du monde, c'est-à-dire que t'enlèves déjà une de tes cartes et tu dois dire ok, on va peut-être pas tabler là-dessus, parce que MT pareil dans la jungle, enfin il a été bon, il a fait de très bons moves MT j'ai trouvé durant les play-in. Mais en soi, bah, en fait, pour qu'il pète la dernière pluie. Je serais assez content si les G-Rex partaient sur un trio top mid jungle extrêmement fort et ils ont joué deux nocturnes dans ces play-in. Et pour le coup, oui, je vois Candy par exemple sur une Syndra ou sur un pick un peu aggro, mais accompagné d'un nocturne avec dans le but d'écraser la mid lane ou en tout cas de l'empêcher de jouer pour ensuite jouer sur le bot side. Pourquoi pas? Je pense que c'est une bonne piste. Invictus qui va commencer par ban le Gragas. C'était... Ah d'ailleurs, c'est pas MT, oh, c'est Baybay qui commence. Et je crois que c'est la première game de Baybay. C'est la première, il a pas joué du tout au play-in. Ah, il n'y avait que MT qui avait joué uniquement. Intéressant. Ban de Alistar aussi côté Invictus. Et on enlève... Bon là, Kali, hein, quand t'as Rookie en face, c'est un peu comme Caps. Il y a des picks comme ça que tu retires parce que même si le pick peut se counter, il y a des risques que tu ne prends pas. Xayah de ban contre Jackie Love. Jackie Love, le monstre. Et impressionnant ce joueur. Ah, c'est une des grandes stars d'Invictus Gaming, effectivement. Après, bon, il reste la Kai'Sa qui peut être un first pick tout à fait acceptable pour Invictus Gaming. Le Sion aussi, on est de toute façon dans une méta qui est assez ouverte au niveau des first picks. Pour l'instant, il y a aussi ce Urgot. Il y a aussi ce Urgot. C'est Duke qui joue. Duke n'a pas énormément joué Urgot durant la saison. Il l'a joué une seule fois. Pareil pour The Shy. Mais c'est des picks à jouer, même pas, c'est ban. C'est dommage, bah alors, après il veut jouer Aatrox, hein. Il a spammé Aatrox, donc il sera très content de jouer Aatrox s'il n'y a pas de Urgot en face. Je pense que c'est ça le postulat chez Invictus, et du coup les G-Rex vont partir sur un ban Aatrox, la Kai'Sa sans surprise. Est-ce qu'on va essayer de récupérer du coup le Alistar? Il y a trois Alistar pour Koala. Il ban Alistar. Ah pardon, excuse-moi Gardoum. Ban Alistar, Bromvarus du coup que tu récupères dans ces moments-là. Bromvarus, hein. Ça reste tout à fait ok normalement pour avoir une duo lane qui domine de toute façon Bromvarus. Tahm Kench, c'est bien. Très aussi. Bien. T'es une duo lane qui push, qui est dominante, qui est assez safe. Le Brom qui va être pris voilà, du côté de Baolan en réponse. Brom Sion. Parce que si tu prends le Sion maintenant, tu t'assures une top lane ultra safe finalement. Et t'as plus qu'à t'inquiéter après de ta jungle que tu pourras potentiellement counter ou de ta mid lane. Je pense qu'on va prendre la mid lane en last pick hein, côté de G-Rex évidemment. Mais en soi, le Sion, ici ça me paraîtrait le pick le plus safe. En même temps, tu le deny au G-Rex, alors ferait une deuxième engage pour aller avec le Varus sinon. Sion ou Ornn aussi. Hein. Ornn, effectivement, avec le Brom en plus. Ornn Brom, c'est sacrément efficace. Oh la Irelia qui met une Irelia directement sur la mid lane. Alors. Candy, on l'a pas encore vu jouer quelque chose comme un Galio sur la mid lane. Est-ce que c'est quelque chose qui est possible? La Syndra, c'est suicidaire. Alors, ils le prendront. Est-ce qu'ils peuvent le prendre maintenant, leur mid lane? Maintenant que la Irelia est annoncée, même si c'est flexable au top. C'est flexable. Est-ce que tu peux pas prendre une Syndra une fois qu'il y a Trush dessus? Tu fais une Nova pour essayer de gérer ça. Ce sera le Olaf dans la jungle pour Baybay. Bon, Olaf, je m'étais posé la question une Poppy potentiellement de jungle, étant donné qu'en face t'as la Irelia. Mais Poppy contre Olaf en early, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile, hein, mais ils auraient pu ban Olaf en fait s'il avait récupéré les G-Rex. Mais
On récupère un jungler fort du moment. On n'a pas vu beaucoup de Poppy, c'est vrai. On en a vu dans, en play-in, mais pas encore dans, dans ce main event. Qui pourtant un pic qui, je pense, est parfaitement viable. Et d'ailleurs, le ban du Horn. Hein. Ils ne prennent pas de risque, forcément, ils utilisent. C'est marrant que ce soit eux qui bannent Horn, bah alors oui. Qu'ils ont le Brome. Ils ont le Brome, c'est-à-dire qu'ils ont le mur, ils ont la porte de la montagne pour éviter le dieu de la forge. Et ban de Leblanc. Ban de Leblanc, ils attendent cette Irelia au top. Ils se méfient du flex au cas où. Ils sont... Qu'est-ce qu'ils ont envie de prendre dans ce jeu ? Ils ont envie de prendre une Orianna ? Ils ont envie de prendre un truc comme ça ? Et la Lissandra, je me pose la question justement face à Irelia. Et du coup, côté Invictus Gaming, on la retire évidemment. Bah, le problème, c'est que face à une Irelia, au pire, tu mets un gros son mid hein, de façon assez sale. Sinon, tu te fais imploser. Bah, mid lane, elle est tellement court, je pense qu'avec le cliff près de la tourelle. Ah non, tu te fais imploser. Sion, il a pas de match contre Irelia. Aïe, aïe, aïe. Il va être au top. Hein. Mais par contre, s'il se prend la Irelia au top, c'est archi compliqué. Ouais, top, ça me paraît ingérable justement parce que la lane est très longue et tout. Irelia peut vraiment profiter de ses dashs. Vous avez vu qu'une mid bon. Genre, Sion, je pense que c'est le pire tank contre Irelia. Vraiment. On va prendre un Ryze en plus pour l'Invictus Gaming. On maintient la possibilité de swap évidemment. Entre les deux. La confiance contre un Olaf. Ceci dit, il n'y a rien qui peut cancel son dash. C'est-à-dire qu'il aura un clear jungle qui va être tellement compliqué face au Olaf. Mais après, il sera tranquille pour faire les engage. Personnellement, je trouve que c'est un manque de respect. Hein. Je pense vraiment que c'est un manque de respect. Alors, cette Irelia, elle est mid ou elle est top? Oh, Jace. Alors Jace face à Irelia, c'est pas facile non plus. Mais on sait pas qui est où en fait, c'est ça le problème. Hein, J-Rex. Dans les deux cas, enfin Syndra se fait rec par Irelia, on l'a vu juste avant, enfin pas une bonne Irelia. Ryze, ça a pas un match-up facile, ça peut à peu près tout tenir Ryze. C'est un match-up assez compliqué contre Syndra, c'est pour ça que je vois bien effectivement le Ryze partir au top hein, contre un Sion, il n'y aura pas trop de problème. Ouais, ça va être ça. Mais du coup, il est chaud Candy. Hein. Waouh. Ça me paraît très risqué, hein. Bah, surtout quand tu viens de voir Caps avec sa Irelia, mais qui a complètement détruit la Syndra adverse. Mais bon, on prend le risque du côté des J-Rex. On a en tout cas une duo lane qui est excellente, ça y a pas de souci. Tahm, Varus, ça prend le push sans problème, c'est très très safe. T'as un Olaf dans la jungle, donc t'as l'early jungle finalement pour toi. Au niveau de la top lane, le Ryze, faut le temps qu'il scale un peu sur un très bon clear, pas trop de soucis. Franchement, c'est Invictus Gaming. Alors, s'ils passent bien leur early game, ils ont une compo qui est monstrueuse. Un Ryze en speed push, une Irelia mid, les engage d'un Zac avec effectivement le scaling d'une Kai'Sa. Enfin, la compo elle est monstrueuse en scaling. Y a aucun problème en engage en tout. Par contre, si ça se passe mal en early game, ils vont se faire exploser. Complètement. Parce que le Ryze soutenu par un Zac qui doit jouer contre du Olaf, c'est dur avec une Syndra en décalage. Franchement, elle est pas facile à jouer la compo. Bah, s'ils ont pas l'avantage en early, ils auront le même problème que Africa Freaks face à Flash Wolves. C'est-à-dire, tu tapes des mecs tellement tanky que tu leur fais pas de le dégâts. Le Sion, il est gratos. Le Sion, il a un Zac et un Ryze au top. Donc, s'il part sur un Abyssal. Même Abyssal casque adaptatif, il est immortel. Parce que la KSA, je la suppose même un petit peu majoritairement AP. Il n'y a que la Irelia pour vraiment gêner le Sion, mais elle a pas que ça à faire. Je trouve vraiment que les Invictus Gaming, ils sont partis en hard mode. Ils sont partis en hard mode, mais aussi en potentiel stomp mode. On est parti dans cette game. Deuxième jour des Worlds. Si ça snowball, c'est un massacre. Ça va être assez énorme. Et en fait, Candy, la Syndra, c'est vrai que le match-up est difficile face à Irelia. Mais c'est le seul personnage que j'ai en tête, un mid lane, qui a un bump pour cancel le dash du Zac. C'est vrai. Je pense que c'est une des raisons qui l'ont poussé pour ça, le Zac étant extrêmement compliqué à gérer. C'est vrai, j'ai pas d'autres idées de pick. Alors bon, et puis Poppy mid, ça se joue pas trop malheureusement. Du coup, c'est vrai que j'ai. Bah non, je vois que ça. Et effectivement, c'est un match-up qui est compliqué. Mais c'est leur seule opportunité de disengage face à un Zac. Dès le niveau 6, en fait. Le passage au niveau 6 avec l'Ignite, ce Rookie. C'est Rookie, hein. C'est du niveau de Caps. Hein. Si Caps a fini avec 8-0 avec sa Irelia, Rookie peut faire exactement la même chose à cette game. Je trouve ça marrant parce que comme c'est le même match-up, en fait, il y a ce petit côté rivalité où on va pouvoir voir des choses assez amusantes. Premier dragon infernal, Noah. En plus. On a un Varus, hein, on a un Varus Syndra, donc si ça joue bien pour les J-Rex, c'est eux qui ont la priorité. Enfin, ils ont une gigantesque priorité de toute façon grâce à ce Olaf contre ce Zac. Hein. C'est pour le coup, normalement sur l'early game, les J-Rex, c'est les kings. Ils sont censés en tout cas. Avec un pool. C'est-à-dire qu'il part pas assez looning,
il va être pull par Sadio Lane, donc on va avoir un avantage pour les G-Rex, histoire que le Zac tombe pas trop derrière et puisse clear sa jungle sans se faire ratisser par le Olaf. Puis après la duo lane, ils savaient qu'ils allaient se faire push de toute façon. Comme ils savaient qu'ils allaient pas avoir la prio, ils préfèrent directement la concéder et aider le Zac. Mais là t'as Olaf qui peut faire un full clear, faire un back et revenir faire le Drake niveau 4 hein, sans problème. Parce qu'en théorie il sera pas inquiété vu que bot ça devrait push. Bon côté de G-Rex, on peut avoir un early game intéressant. Le problème c'est que ce dragon c'est un dragon infernal. Alors le problème entre guillemets bien sûr, c'est que c'est bien, ça scale, mais il faut réussir à aller assez loin dans la game pour qu'il soit rentabilisé. Je suis impatient de voir Jacky Dove. Justement, est-ce qu'ils peuvent écraser les directs sur leur match-up? Et pour l'instant, c'est des bons trades hein, qui sont pris par la duo Invictus. Au mid, sans surprise, pour l'instant, le push du côté de Candy. Sur le bot, on a réussi à équilibrer. Au top, normalement, le Sion s'en tire extrêmement bien dans son match-up contre Ryze. Il va pas être inquiété du tout. Beibei qui fait un full clear, justement. Il a déjà 3 camps en poche, le 4ème quasiment terminé. C'est là où tu vois la vitesse de clear dans Olaf par rapport à n'importe qui. Par rapport à un Zac qui a eu un pool. Hein. C'est ça, non mais c'est là même face à la plupart des junglers. Talia, qui, même si ça clear plus vite que Zac, Talia, le Olaf reste loin devant. C'est juste monstre ce pic, il n'a pas été de potion évidemment. Plus il est loin en HP, plus ça va vite. Bon, on reste à voir sur cette mid lane. Est-ce que Candy va réussir à survivre au niveau 6 de rookie? C'est toujours la chose qui fait un petit peu peur pour une Syndra face à une Irelia. Pour un mage en fait en général face à Irelia. C'est niveau 6. En fait c'est le passage niveau 6, le fameux passage d'Irelia. Oh, c'est dommage que ce soit Sitch qui le prenne. Avec l'Ignite, tente un all-in toujours, même sous la tour si c'est nécessaire. Et qui est très dur à gérer. C'est vraiment ce passage niveau 6 qui est le vrai gros timing dangereux pour la Syndra. Oh, Beibei, est-ce qu'il va aller contester le Carapateur? Il va être un petit peu trop loin. Il n'a pas la prio mid. Et finalement ce sera le smite pour Ning. Il est en retard Beibei. Il a préféré faire un full clear into Carapateur, c'est ambitieux. Un peu compliqué, Beibei, est-ce qu'il va pouvoir faire son back quoi que. Est-ce qu'il va tenter l'invade? Normalement, il doit venir le chercher, voilà, il va forcer la Irelia à bouger un petit peu. Heureusement que Rookie a le push, sinon ce Zac n'aurait pas pu sécuriser son blue buff. Et d'ailleurs, c'est pas gagné. Ça va être l'invade de Beibei, il a son smite contre pas de smite pour Ning. Rookie qui est obligé de décaler, la Syndra qui va repush. Est-ce que la Syndra ou le Sion peuvent aller empêcher la prise de ce blue buff? Ouais, ils peuvent pas. Ils peuvent pas, ils vont pas aller s'y risquer finalement. On va le laisser. Oh, ça reset. Le temps perdu pour Ning. C'est terrible sur ce dash de Rookie. Il y a un changement d'aggro du blue buff et Ning dans la tourmente. Il y a eu un back de Bébé. Il aurait dû insister Bébé et il est obligé Rookie d'abandonner. Je pense que Bébé il pouvait insister. Il y a peut-être une petite peur des G-Rex. C'est tellement dur ça pour Ning. Bon, c'est un Zac qui va le faire. Le problème c'est que là en termes de rotation de jungle, alors Bébé il va dans sa jungle. Top side, il a pas grand chose à y faire hein, parce que tout a été récupéré déjà. Il a ses camps jungle bot side qui vont rip up justement vu qu'il a commencé par le blue buff. Il y a le Carapateur, il y a le Drake et surtout on a le retour du Varus après le back. Donc là la duo lane des G-Rex va reprendre le push bot side et ils peuvent très bien justement faire un dragon juste après, faire toute la jungle bot pour Beibei. Ça va être un timing G-Rex. Faut absolument que toutes les lignes reprennent leur push. Je pense qu'on aurait pu largement plus punir ce Zac. Peut-être pas assez entreprenant les G-Rex hein, sur cette early game. Et pour le coup, ils ont pas intérêt à, je pense, à aller chercher du scaling. Hein. Pas contre un Zac, Ryze, Irelia, Kai'Sa, Braum. La compo du monstre. Hein. Ça va être tellement dur à jouer pour eux. Mais bon, pour l'instant, top, ça se passe bien pour PK. On s'y attendait, hein, le match-up very early. De toute façon, le Ryze peut pas faire grand-chose. Il arrive et mana burn. Il est pas inquiété de se faire tuer, Duke. Mais forcément, il est assez limité lui aussi. Faut faire attention. Quoi, Baolan, hein, sur, backup. Sur le niveau 6, PK il peut exploser Duke. Ça peut aller très très vite. Il touche un cri, il touche un Q. Il y a un ulti qui suit. Heureusement qu'il n'y a pas beaucoup de mana, mais je crois qu'il y a encore un dernier stack de potions de corruption. Et d'ailleurs, on a un back de Duke. Je pense que c'est sage de ne pas tenter ce trade. Ça, j'aime beaucoup le décalage de Baolan au niveau de la mid lane. Hein. C'est classique, mais en fait, au même titre qu'on aime beaucoup les Sejuani avec les Irelia, c'est un peu pareil avec Braum, puisque tu fais proc rapidement et si les Conclusive Blows, donc ça te fait un CC de plus sur la mid lane et sur quelqu'un d'aussi squishy Candy, en plus de counter le gank potentiel évidemment de Beibei, ça te permet de, voilà, si à toi un mid laner adverse s'avance, de pouvoir se retourner sur lui. Ning, au niveau de la bot lane, on a le slingshot, c'est Pink hein, dans le bush, et l'engage qui est fait directement, on n'attrapera pas Stitch malheureusement, est-ce qu'on peut en prendre un? Non! Ça passera pas. Côté beau positionnement direct, de Koala hein, pour éviter le stun. La roquette il ne sera pas touchée. On a la position de Ning. Et on attend ce Olaf Gardoum. Pour l'instant,
J'ai une préférence pour MT. Ah oui, mais attends. Olaf, là, il fait ses loups et on a le back. Ils le savent, hein, que Ning, il est en train de back. Sauf qu'il n'y a pas le carapateur, il n'y a pas de vision au niveau du Drake pour les Vitus Gaming. Il y a un dragon. Il y a un petit dragon à faire. Je suis bien d'accord avec toi, mais est-ce qu'il va y aller? Est-ce qu'ils vont oser? J'ai l'impression qu'il n'ose pas du tout, en fait, bébé. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de respect dans son gameplay. Bah, presque trop, parce que t'as un Varus, ça me catch. Attention au niveau de la bot lane. Vitus Gaming, on s'avance. Oh. Le heal qui a été claqué tout de même. Pas de conclusive blows qui proc sur Koala. Jackie, le flash out. Pas de heal, pas de flash, et un ignite pour Koala. Et le décalage de bébé, le décalage de Candy. Ning n'est pas du tout dans les alentours. Et on va essayer de deny cette vague. La duo lane Invictus Gaming qui courbe les chines. Après c'est face à un Varus. Mais c'est courbe la chine. Désolé. Voilà. Sur la top lane, catalyseur de l'éternité en poche pour Pékin, évidemment, tu l'avais dit. L'abyssal qui fera son apparition un petit peu plus tard. Bébé qui en profite, voilà. C'est un red buff à récupérer, c'est toujours ça de prix en plus. Un peu déçu qu'il n'y ait toujours pas eu ce Drake d'inquiéter. Hein, sur Dragon Infernal, tu libères le premier. Tu sais pas ce qui vient après, mais plus tu le fais tôt, plus tu auras Dragon élémentaire. Et on va ensuite offrir le blue buff à Candy qui commençait à être un peu out of mana. Toujours de toute façon, on sait que le Varus a l'avantage. Hein, il n'a plus de flèche, ce genre de phase de poke. Et là, par contre, il n'y a pas de flash. Il y a vraiment un gank à faire du côté de Bébé. Pareil, sur vous. Il y a vraiment des lanes gankables. Hein. Ce Olaf qui est en full clear depuis le début de la partie, il a des opportunités, il a des choses à faire. Surtout que chacune des lanes a un setup de gank qui est excellent. Il n'y a que la mid lane Rookie peut juke plus facilement. Mais top, PK, il a deux CC à offrir à un Olaf. Bot, pareil, il y a la chaîne de corruption. Attention, le 1v1, Ning qui est niveau 6 tout de même. Il y a Rookie qui est en train de décaler. Quand un Olaf se fait counter par un Zac, PK qui vient prendre de la vision et il abandonnera ce red buff, bébé. Après, il est allé récupérer celui dans la jungle d'Invictus Gaming. Et voilà, il y avait le back de Candy, hein, il pouvait décemment pas contester. Et il a le niveau 6. Il a le niveau 6, bébé, ça y est, on a enfin le Ragnarok disponible. Ragnarok, c'est frigant, comme tu l'avais dit, il y a bot, il y a top normalement. Mid, c'est un petit peu plus coquille, mais ça pourrait se tenter. Là, il sait, Candy. Ça joue bien, Franchement, chez Jerry's, pour l'instant, on n'a pas vu d'erreur, ça joue bien. Il n'y a pas vraiment eu d'ouverture ou d'opportunité pour l'Invictus Gaming. On n'est pas parti sur un modèle de stomp. Bon, on est qu'à 8 minutes. Et voilà. Et c'est parti avec un ulti, c'est raté. C'est raté pour PK. On va tout de même toucher le cri et ce sera un flash qui sera forcé pour Duke. La prochaine, c'est la bonne. C'est la bonne. Il faudra revenir effectivement pour Bébé. Et les directs, comme tu dis, tiennent bien. Ils font pas de grosses erreurs. Mais ils auraient pu faire un petit peu plus, notamment pour Bébé dans la jungle adverse. Au niveau du dragon, bon, c'est peut-être un peu trop de respect. L'Olaf qui se prend 5 CS par un Zac. C'est un peu inhabituel, mais il vient de tenter un gank. On fait claquer un flash sur un Duke qui n'avait déjà pas de TP. Soit. Attention. Oh, il l'a sorti. Avec le décalage de Irelia, Candy est un peu en retard. L'Olaf en train d'arriver, je vois pas l'opportunité par l'Invictus Gaming. Ce dive est un dive vers la tombe. Et ils vont peut-être y aller, bébé. Le flash-in au corps à corps de Ning. Siege qui vient positionner, est-ce qu'il y a une flèche de corruption bien placée? Le décalage de Candy, ça peut être un massacre. Le first blood qui est pris. Siege qui se repositionne, l'ulti de bronze. Et Jackie Love qui prend les kills. Ça se passe bien pour Invictus. C'est du 2 pour 1, bon dive. Oh, ils vont le chercher tellement loin celui-ci. Mais ça passe, Stitch qui a encore le flash de disponible hein, évidemment, et Jackie Love qui est allé chercher, il voulait absolument un kill. Jackie Love, il se retrouve avec deux assists. Le problème c'est que bon là, il a offert un kill un petit peu gratuit en allant loin. Ouais, ça reste très bon. 1000 gold d'avance déjà pour Invictus Gaming. Et je crois qu'il rate, il touche pas le deuxième Q-spell. Alors, avant de mettre le flash-in pour trouver le stun. Ils vont tout mettre sur le time catch. Bébé qui a eu peur. Bébé, on a l'impression qu'il a peur de tout. Alors qu'il a Ragnarok. Hein. Il a le Ragnarok de disponible, il aurait pu essayer d'aller mettre des dégâts pour préparer, pour setup un peu les low HP pour Candy. Ouais, je pense qu'il y avait peut-être un peu plus à faire, bon c'est pas grave. Ça permet d'ouvrir ce dragon infernal avec Koala, avec Bébé. Le Zac qui se met en position... Non, pas de style. C'est un peu trop risqué, mais c'est dommage parce que Candy finit le fight, il a encore l'ultimate de disponible. Bébé il aurait rush dans la mêlée, mis quelques dégâts, je pense qu'il y avait plus à faire. Il reste encore des flashs, il reste encore des ultis... Je pense effectivement qu'il y avait beaucoup de choses à faire. Il n'y avait pas la téléportation de PK. Il n'y avait pas celle de PK. Duke non plus, ceci dit, du coup, ça restait un 4v4 à gérer, évidemment. On rappelle, sur la top lane, Duke n'a plus de flash, par contre. Et on sait qu'un Sion peut largement tanker la tourelle pendant à peu près 5 ans et demi à ce moment-là de la partie. Donc ça ne devrait pas poser de problème s'il souhaite en tout cas dive Duke. Sur la mid lane, on avance petit à petit vers le Darder, vers la brillance pour Rookie. Et comme il y a eu le décalage bot, finalement, il n'y a pas eu de solo kill déjà. Non.
Non. Petit avantage, une Vixx Gaming sur Starly Game. Il y a un dragon infernal qui a été récupéré par les J-Rex. J'attends, il n'y a pas eu assez de proactivité, je pense, de ce Olaf. Après, Candy s'est pas fait écraser sur cette mid lane. Non. C'est plutôt la bonne nouvelle pour les J-Rex. Même si Rookie a l'avantage, le stun qui est juke. Passe pas loin, il cherche pourtant Rookie. Ça passe pas loin, il fait attention, Candy. Et il fait pas d'erreur de placement. Ça se joue vraiment à la limite à chaque fois pour Candy. Il n'est pas mauvais. Excellent. Hein. Il est vraiment pas mauvais, Candy. Et pourtant, il a pas de bot. Parce que c'est le truc un peu bête, hein, mais les bots, ça peut tellement tout changer pour l'esquive d'un stun de Irelia. Après, il y a aussi du respect. Hein. Il n'est pas parti sur un chapitre perdu, par exemple. Hein. C'est un protège-bras du savant. Ça aurait été tellement dur. Et attention, PK au niveau de la mid lane. C'est sur Rookie, c'est presque dommage, parce que sur la top lane, Duke, il a pas de flash. Bébé, il a le Ragnarok, il a Predator. Duke, il a pas de flash. C'est du gang sur Duke. Et surtout qu'il y a le Herald en plus, top. Attention, l'engage ici qui est fait sur Bébé. Il va pouvoir s'échapper sans trop de problèmes normalement, mais top, t'as un héros de la faille, t'as un reste qui a pas d'escape, et le but c'est pas de donner un avantage à un Sion ou pas, il s'en moque, c'est de donner un kill à Baby et de mettre la pression sur ce Herald pour essayer d'emballer la game. Et ralentir ce Ryze, hein, c'est jamais mauvais de ralentir un Ryze, qui sera l'enfer de PK quand ça va vouloir passer en split push. Ouais, le J-Rex qui il joue pas mal, mais il joue pas assez agressif en fait. On va voir. Par rapport à Soul, là, pour l'instant. On va voir, je suis d'accord, c'est le défaut. C'est le défaut. Maintenant, sur un bon timing, sur un bon dive, il y a les téléportations qui sont revenues sur la top lane. Sur une bonne prio donnée par la jungle, on peut faire quelque chose. Et puis au niveau des dives, ils sont bien en plus. Hein. Il y a du Sion, il y a du Tahmkench, il y a du Olaf. Et après, mais j'ai l'impression que c'est de ne pas assez profiter vraiment de tous ces setups de gang. Sur la top lane, on a le cleave, on a l'assaut inarrêtable, enfin, mid lane, il y a le stun. Ça joue tellement autour du bot side. Ah ouais, on va avoir un bot side safe qui a déjà de base une lane qui est censée être tranquille. Hein. Varus Tahmkench, t'es pas censé être très inquiet contre Jackie Level Baolan. Mais Rookie sur le côté, il a son flash, Candy. Il vient de voir Rookie avec l'arrivée de ce Zac. Dispersion des faibles, pas de problème. Ça reste ok, combien il a de gold dans poche? Rookie doit au moins pouvoir finir le Darder et la brillance, et du coup d'un seul coup tu gagnes 20% de CDR quand même, et ça c'est ultra important sur une Irelia, ça change complètement les timings d'agression que tu peux prendre. Mais voilà le back hein, qui est fait, hein. Le Ning était juste venu pour aider un petit peu au clear. Ah, ça va être rinté directement. Ça va plus être la même chose maintenant, plus la même chose, il y a une quinzaine de CS d'avance sur cette mid lane. Rookie qui tout de même sent gagnant de sa phase. La Trinité, ça te permet directement en fait de dash sur un sbire caster et du coup de t'approcher ultra rapidement du range adverse. Le chapitre perdu dans les poches de Candy, toujours pas de bot, hein, même pas d'habit ou autre. Oh, attention à ce gank. Ils ont pas eu l'information, il y a la pink ward qui est positionnée et Ning voilà, qui va y aller. Je pense qu'on s'en doute pour les J-Rex, mais le Olaf est sur le héros de la faille. Donc là, ils sont livrés eux-mêmes, les J-Rex. Et c'est le flash out pour Stitch. On n'arrivera pas à la dévoration et on ne trouvera pas le kill. Double flash tout de même. Par contre, ça va coûter le héros de la faille ou Invictus Gaming. Double flash pour un Herald. La botlane qui survit avec assez de HP pour rester défendre la tourelle. En plus, c'est ça qui est très important. Ça reste ok, quelle réactivité par contre de la part de Stitch, hein. Vraiment il a vu le slingshot, il est parti rapidement, Bébé, le Predator, voilà sur la top lane, il faut y retourner. Mais il y a le flash du côté de Duke cette fois-ci. Ouais, il y a le flash, mais il va y avoir le stun, il a plus rien Duke, il a plus rien, et la frappe brutale. Le kill, il était facile ce Ryze, le héros de la faille utilisé instantanément, on a un back, on ne va même pas rester, voilà. Ça va prendre une première tour, et les J-Ryze vont pouvoir revenir au gold, ça y est, leur game se lance. Est-ce qu'ils peuvent pas push la deuxième tour aussi? Il n'y a personne pour défendre top, ils voient trois joueurs Invictus Gaming bot, il y en a un au niveau de la mid lane, il faut push directement. Koala pendant ce temps avec la traversée des abysses, on va aller chercher Rookie. On veut essayer de mettre la pression sur la tourelle mid aussi, donc il y aurait deux tours top prises et une tour mid peut-être pour les J-Rex. Et en tout cas, c'est sûr que le top ne sera pas défendu. L'Irelia n'a pas pu décaler. Duke n'est pas encore pu revenir avec sa téléportation. T1, T2, la pression a été mise au mid. Les J-Rex font une très bonne opération sur ce gank. Et bon, Duke, on peut lui reprocher d'avoir été un peu présomptueux. Il a entendu le héros de la faille qui se faisait terminer. Il sait que le Olaf est juste à côté. C'est un Olaf avec un Predator naturellement, avec un Sion sur une lane où il est très avancé. Il est resté trop loin sur sa ligne. C'est un Ryze. T'as pas d'escape.
sauf s'il arrive à placer un portail transdimensionnel. Mais il y a du contrôle du côté du Sion pour essayer de le cancel. Non, ça a été effectivement trop de panache du côté de Duke et ça leur coûte cher. Hein. Deux tourelles d'un coup qui tombent comme ça. Parce que même s'ils restaient vivants, au pire ils perdaient la T1 en théorie avec le héros de la faille. Mais deux, ça fait beaucoup. C'est Olaf qui part avec le vœu de chevalier en premier item. On va essayer vraiment de jouer sur les carries. Et c'est Olaf qui a 2-0 maintenant. Ça y est, c'est Olaf qui est un peu lancé dans sa game. Deuxième dragon qui est disponible au noir, Mountain Drake cette fois-ci. Mountain Drake, sachant qu'on a d'un côté un Varus, de l'autre une Kai'Sa, donc de base deux picks extrêmement forts pour le Nashor. En soi, c'est du pain béni. Ah. Allez, ça sera récupéré par PK. Aïe. Sous les applaudissements du public. La Diolène qui est partie au mid pour continuer le push. On envoie par Kendi en bot side, je trouve ça osé. Hein. Il va falloir mettre un bon faisceau de doigts parce que le gank est assez facile. Ah, attention, portail transdimensionnel de Duke. Après, il a toute la cover de sa team qui est en train de commencer le dragon. La wave est clear et finalement le dragon va être laissé au Invictus Gaming. Un dragon partout. Infernal côté Jirex qui mettra du temps à être rentabilisé. Surtout qu'en soi, c'est pas Sion, ni Olaf, ni Tahmkench qui vont le rentabiliser. Ils prennent pas de stats offensives en tout cas. Ou ouais, mais je pense qu'ils peuvent servir cet excuse pour teamfight. Hein. Je pense qu'ils ont l'avantage du teamfight. Hein. Les Jirex là à ce moment-là de la partie. Pour l'instant, ouais. Je te rejoins complètement là-dessus. Le Olaf avec son niveau 11, pareil. Hein, le Sion et le Varus qui est déjà largement efficace. Pareil pour la Syndra. Après, je pense que t'as toujours peur du combo Let's Bounce et Fissure Glacial. D'un Brome plus d'un Zac. C'est compliqué, c'est-à-dire que les Invictus Gaming peuvent gagner un fight, mais ça leur demande de jouer plus de mécaniques que les Jirex. Du coup, les Jirex, c'est le fight un petit peu plus simple globalement. Tu mets la chaîne de corruption et t'enchaînes. Mais récupération de vision par Bébé qui trouve le Zac. Voilà, hein, toujours se méfier de ses engages. On va aller voler ce Blue Buff. Et à 20 minutes de jeu, on est à une quasi-égalité au Gold. Par contre, c'est plus l'avantage Invictus Gaming avec cette composition. Non mais on peut en reparler, mais voilà, Jirex c'est pas une équipe faible. Et pourtant Invictus Gaming c'est fort, hein, mais il n'y a pas d'erreur, c'est un jeu qui est propre, qui est conventionnel certes, avec une draft assez polyvalente, et qui tentent leur chance, et pour l'instant c'est encore 50-50 dans cette partie. C'est pas une équipe faible, mais à mon avis c'est une équipe qui a pas su saisir les bons moments pour prendre l'ascendant et vraiment menacer les Invictus Gaming. Et c'est peut-être leur seul problème, c'est que pour l'instant, ils n'ont pas été menaçants réellement. C'est dans un style LMS. Hein. C'est vrai. C'est les enfants des Flash Walls. C'est pas l'équipe la plus agressive, hein. C'est du Sion mid. Alors par contre, l'engage, attention du Zac et tout le reste de l'équipe. Ning qui va trouver le stun, un ulti, mais le reste de l'équipe n'est pas là. Ils vont se retourner, il n'y a personne. Il y a Rookie qui est en train d'arriver par la mid lane. Le Zac est déjà sans passif. Rookie pour trouver un stun avec un réengage de Jackie Love. Et non. Ils viennent de sacrifier le passif de Zac pour défendre la tour. Pourquoi? Non mais pourquoi pas. Okay, c'était inattendu, je t'avoue. Il y va, Rookie? Il y va, ça, les Jirex qui se repositionnent, cette ouais. T1 mid sous pression, il reste encore un peu de points de vie, elle sera défendue. Attention à Baolan. Move inattendu, je t'avoue, de la part d'Invictus Gaming ici. La tour est défendue, à peu de choses, hein. Il reste très très peu de HP sur cette tourelle. Bon, ça veut aussi dire que pendant quelques temps, teamfight avec le Zac, c'est prendre de très très gros risques. Ah bah oui, il va faire one shot. Hein. Il n'est pas prêt d'avoir une Warmog, Lanning. Puis il est parti sur des Lucidi Boots, des bots ioniennes. Alors certes, il a de la CDR, c'est bien, hein, plus de Slingshot, de Let's Bounce et autres. Mais ça veut aussi dire aucune résistance. Il part sur la Warmog. Faudra attendre, mais bon, la Warmog, ça fait pas tout. Hein. C'est un sac de points de vie sans stats. Hein. Sans armure, sans RM. Ouais, face à un Varus en plus. C'est un stuff qui va être derrière, le casque adaptatif est quasi obligatoire, hein, pour Ning. Homo adaptatif et la Thornmail serait tellement bonne aussi. Homo adaptatif, Thornmail, et tu règles toute la team adverse en soi. C'est cher la Thornmail, hein, par rapport à une équipe qui a quasiment pas de dégâts physiques. Y a Bébé et Stitch en fait, finalement. Le flash out de Stitch, Rookie, la tentative de dive, on a un ulti de PK, il va engage, hein, il va engage derrière, il y a un Chouchou qui va arriver, le Chouchou. Attention, les Invictus Gaming, ils ont pas vraiment une tour sur la mid lane. On va aller sur Baolan, le stun salvateur de Rookie pour essayer de sauver son support. Mais ça ne suffira pas, Baolan tombera, la T1 mid tombera. Ning pour le réengage, Ning. Tu peux rien faire, Ning. Tu vas le faire ouvrir, Ning.
Oh, attention, Jackilov dans la mêlée directement pendant la Rookie qui essaie de doigts. C'est Jackilov, un premier kill. Rookie sur Kendi. Jackilov se fait exploser par l'Olaf. Mais Rookie pendant ce temps-là, qui a déjà fait son travail, Noah. Ouf, ouf, quel combo avec Rookie. On a eu peur. Ning le réengage. Il a pas de point de vie. Les stuns de PK qui sont bons. Heureusement que PK il met un double stun qui sauve les J-Rex. Et super beauty. J'y croyais pas, hein. Un Ning qui est rentré dans le tas. Pas du tout non plus, je t'avoue que. Waouh! Et Rookie s'occupait de la backlane pendant qu'il y a Jackilov qui a essayé de gérer la frontlane sous la tourelle. Et c'est aussi ça, il y a eu la tourelle qui a été à gérer, ouais, de la part des J-Rex. Il est fort, Rookie. Hein. Et Invictus Gaming, ça fait toujours 2000 gold d'avance pour eux. Et on n'arrive pas à passer. Les J-Rex, on a beau prendre des objectifs, on a beau essayer de récupérer des kills. Les gold ne montent pas. Alors on va revoir l'action. Donc il s'y attendait, hein, Invictus Gaming, en faisant ce dive très osé. Ah, il faut qu'il se la tour, hein, intelligemment. C'est prise de tour et on s'échappe. Il n'y a déjà plus de flash pour Rookie ici. Et donc ils ont vraiment choisi Baolan. Parce que là, il y avait Duke. Il y avait un gros paquet. Hein. Je pense qu'il aurait pu foncer. Il y avait un gros paquet d'Invictus Gaming. Il a un peu dérivé PK. Je pense qu'il y avait peut-être mieux à faire. Mais Ning, en plus, on a dit qu'il se pourrait ouvrir. Wow. Et là, il re-engage et il y a Rookie en Rookie plein dans la mêlée. Rookie met un ulti là-dedans. Il met un ulti. Il y a Candy qui se retrouve tout seul. Il se repositionne. Rookie, il est monstrueux sur ce fight. Mais le truc, c'est que Rookie, il a été ignoré pendant quelques secondes où tous les J-Rex ont voulu focus Jackilov. Sauf que lui, pendant ce temps-là, il était en train simplement de les rect. Et on a d'ailleurs deuxième item pour Rookie et Jackilov, l'Hydro-Titanesque et la Ginzu qui sont en poche. Côté de J-Rex, ceci dit, c'est bien, on essaie de forcer des moves via le Sion, et ils essaient d'y aller, c'est ce qu'il faut faire, hein, pour cette équipe. Ils n'ont pas le choix, hein. Effectivement, il faut qu'ils agressent. Rookie qui est sur le top, ça est en train d'essayer de faire avancer la vague. Et les J-Rex sont toujours en possession du map control, avec Invictus Gaming qui se contente de jouer en contre grâce à ce Zac. Non, Sion, ok, Gloire du Juste, bon, Masque Abyssal classique. Et ce qui fait peur aussi côté Invictus Gaming, c'est ce Ryze qui petit à petit se stuff. Hein. Il prend son temps, Duke, il prend son temps, mais tu peux pas l'ignorer parce qu'arrivera le moment où en speed il sera intenable. Si la partie suit cette direction, au bout d'un moment, Invictus Gaming, ils vont sortir, ils vont éventrer les J-Rex avec leur compo. Un dragon des océans, on profite de ne pas encore avoir une Irelia et un Ryze sur stuff, et même une Kai'Sa qui elle aussi a plutôt bien farm. Ah, fini sa Ginzu. Alors, Morellonomicon terminé pour Duke. Ça va être la vision maintenant au niveau du Nashor. Plus d'objectifs bot side. Il y a une T1 peut-être à prendre pour les J-Rex, mais ce serait mettre beaucoup de ressources en bas de la map là où le Nash est up. Et du coup, cette tourelle ne devrait pas bouger parce que Duke a largement clear nécessaire. Prendre le 1v1 face à un Sion, bon, PK peut complètement le refuser. Et là, le but, ça va être la bataille. La bataille de warding, la bataille de vision. Et à qui éteindra la lumière à l'autre. Le problème, c'est qu'il y a un Zac. Et dans ce genre de phase, c'est 100 fois plus efficace qu'un Olaf. Même un Olaf avec 3 kills. C'est le problème de Solaf, on en parlait, hein. C'est que c'est très fort. Attention, ici, il engage directement sur Candy. Le let's bounce, Candy qui est ramené. Candy qui sera sauvé par quoi là. Mais pour combien de temps, Noah? C'est compliqué. Candy qui va être détruit par Rookie. Rookie qui enchaîne directement sur Steve. Si je Rookie, tout seul. Rookie qui tue si les deux tout seul. Et il reste plus que ce Olaf. 1v5 et il meurt devant le Nashor. Il a pas fait sa dévoration à temps au Koala. Ils avaient pas les flashs. C'est une Syndra qui est partie chercher le map control et qui sera contre un Zac et qui sera puni. Le Zac de Ning. Au moment où tu parles de Zac, en plus, c'est... Ouais, sur ce genre de phase, c'est trop fort. C'est le problème côté de J-Rex, c'est qu'il y a l'Olaf, mais c'est pas Olaf qui avait de l'avance dans la game. Par rapport à ce qu'on a dit, hein, il a eu plusieurs occasions en début de partie qu'il a pas osé prendre pour snowball la game. Et du coup, ça, on n'a jamais inquiété l'Invictus Gaming. Arrive le moment où l'équipe, la composition est juste ultra forte. Et les joueurs aussi, évidemment, qui mécaniquement sont très bons. Et là, pour le coup, je pense que c'est le début de la fin, Gardoum, avec ce Nashor, avec cette composition. Ouais, ouais, mais ça, c'est une Syndra. Oh, le sweeper. C'est une Syndra sans vision contre un Zac, sans flash. Qu'est-ce qui peut mal se passer? Et là, Rookie, il enchaîne à un carry, deux carry. Et ils ont pas le summoner. Ils doivent jamais faire ça. Ils doivent vraiment jamais faire ça. Ils ont pas le push mid, ils ont pas le push top, ils ont pas le push bot, ils ont pas la vision, ils ont pas de flash. Et ils décident de fetch un buisson contre un Zac. Et bien voilà, elle est là. La première vraie grosse erreur des J-Rex, c'est celle-là. Ça leur coûte le Nashor et a priori la partie. Il n'y a pas beaucoup de choses pour résister à ça. Le problème, c'est que sous tourelle, maintenant, on a le passif de Zac qui up. Donc les Invictus Gaming, ils peuvent engage quand ils le souhaitent. Le Zac tankera largement assez longtemps. Il y aura Baolan en backup. Et le truc, c'est que
t'as trois menaces en fait du côté d'Invictus Gaming. Et trois menaces, c'est ingérable pour les G-Rex. Candy pourra même pas en éliminer une d'un coup, je pense. Et encore une tour qui tombe au top. La T1 avec la vague est déjà positionnée. Ils n'ont pas besoin de se presser tout de suite. Invictus Gaming pour aller chercher un inhibiteur. Voilà, la rotation de rookie. Et là maintenant, les Invictus Gaming, eux, ils savent très très bien comment snowball une game. Owning. Et ils sont prêts, hein. Ils sont prêts à engage. Bébé qui devrait absolument pas se trouver ici. La wave top qui est préparée. Il y a une wave ennemie au niveau de la top lane, à côté d'Invictus Gaming qui va arriver sous cette tourelle. Les trois sbires, la wave qui arrive derrière. Rookie déjà en train de taper la tour. Et il stack son passif, la rookie. Hein. C'est le point aussi important. C'est qu'une fois qu'il a le passif de stack, il va aller. Oh, attention, Ning qui fait l'engage directement sur quoi là. Et on fait un flash, il nous ramène Candy complètement sous stop. Je pense à Jackie Love qui est complètement free DPS. On va essayer de prendre un premier kill. Candy, deuxième kill récupéré par Jackie Love. La coordination est impressionnante pour les Invictus Gaming. Les G-Rex vont se prendre un clean ace. Et ça pourra signer la fin de la game. Le flash out de bébé. Il n'y a plus qu'à push au mid. Il dive à la fontaine, rookie. Il a un ange gardien. Il a un ange gardien, rookie. Il s'en cogne complètement. Oh là là, c'est tellement ingérable pour les G-Rex. Ouais, non. Ah, il troll. Et pour moi, c'est le problème des G-Rex, c'est qu'ils avaient un Olaf qui a pas assez utilisé les moments où il aurait pu dominer. Ils ont clairement pas été assez aggro, je suis d'accord avec toi. Regarde, il y a pas eu d'erreur qui fait qu'ils se font stomp, mais comme ils ont pas joué correctement leur compo, bah ils peuvent pas dominer, ils gagnent pas. C'est dur, hein. Ils sont tombés face à un adversaire très fort, sûrement plus fort qu'eux. C'était les favoris, voilà, c'était écrit. Et ils n'ont pas assez bien joué, ils n'ont pas assez bien surperformé pour mettre Invictus en difficulté. Ça reste pas un massacre, mais voilà, la seule erreur qui a été faite pour moi, c'est vraiment cette erreur de prise de vision. Et bon, bah, un Zag qui punit sur ce genre de phase. Bref, une belle victoire d'Invictus Gaming, ça y est, qui rentre dans la compétition. 1-0, égalité avec Fnatic, avec un petit match Invictus qui se jouera contre Fnatic, et ce sera demain ça. C'est à midi demain, c'est-à-dire chez vous, vous allez vous poser devant au gaming avec de quoi manger et du spectacle pour les yeux. C'est peut-être les meilleurs moments de ta vie, ça, tu vois, pendant les championnats du monde. C'est les meilleurs moments de l'année, les Worlds, de toute façon. Dommage pour les G-Rex, dommage, effectivement. Après, même si la game durait sans ce catch, petit à petit, je pense qu'on aurait vu les Invictus Gaming gagner parce que leur draft était ultra forte et fallait juste le temps que ça se mette en place. Rien à dire. Voilà, l'équipe au niveau, on les attend. Et je pense qu'ils n'ont à aucun moment ils ont vraiment été mis en danger dans cette partie. Ils n'ont pas montré l'étendue de leur capacité. Bon, pour le coup, ça va être cette game. Donc victoire Invictus Gaming. Bon, G-Rex, c'était les premières games du main event pour ces deux équipes. Côté de la Chine, ça reste très rassurant. Ça marche très bien depuis le début. Et ils seront plus tard rejoints peut-être par leurs collègues des RNG. Peut-être, ça sera le dernier match, hein, RNG contre les Generation Gaming. Mais avant, il y a bien sûr d'autres matchs. Et pour en tout cas débriefer ce Invictus G-Rex, on va retrouver Laure sur l'analyse desk. Merci beaucoup Noah. Donc victoire d'Invictus Gaming ici, et comme il l'avait annoncé, c'était un petit peu plus serré que ce qu'on aurait pu le penser. Alors évidemment ici la composition d'Invictus a mis un petit peu de temps à se mettre en place. Il faut savoir qu'Invictus c'est une équipe qui a l'habitude de gagner ses lanes et qui snowball là-dessus pour gagner toutes ses games, mais finalement même quand ils sont dans un léger déficit, ça pose pas de problème non plus. C'est G-Rex après tout. Franchement c'était pas évident hein, dans la majorité de la partie, même si bien sûr la conclusion était très favorable. Il y a quand même eu deux derniers teamfights qui étaient assez nettement menés pour Invictus, mais franchement c'était une assez belle défense au niveau des G-Rex. Ils ont surtout répondu avec une certaine agressivité avec toutes ces actions botlane. C'était vachement sympa quand même, comme ils ont quand même répondu avec un style de jeu très dynamique, mais au bout d'un moment ça a craqué. C'est une équipe les plus agressives de la LPL de toute façon. Super ballsy quand même ce blind pick de Irelia pour Rookie, t'en parlais pendant la draft chips. Oui, encore plus ballsy la réponse alors que Cap vient de casser en deux Ryu et qu'on attend. Moi, ce que j'ai adoré en fait, c'est Caps et Rookie ont joué tous les deux le même match-up d'affilée. Donc pour moi, c'est une préfiguration de ce qui est pour moi le grand duel de la mid lane dans ces Worlds. Et ça tombe bien, Invictus Gaming et Fnatic sont dans le même groupe. Rookie contre Caps, ça devrait être la folie. Donc, du coup, Rookie a moins détruit en lane Candy. Bon, après, est-ce qu'on peut juger par rapport à ça? Voilà, franchement, c'est même pas comparable parce que c'est plus la destruction. Genre, Ryu, il a pas existé. Ryu n'a pas existé. Mais pour revenir plus au match, au-delà de la comparaison entre Rookie et,
et Caps. Moi, ce pick Irelia, c'était Bolzi. Après, on sait, honnêtement, Invictus Gaming, encore une fois, c'est une équipe qui repose énormément sur le talent individuel de ses joueurs. C'est une équipe, quand elle est bien dans son match, quand ça clique bien, en teamfight, ils peuvent être assez impressionnants. Alors, on voit Ning, superbe ce qu'il a fait ici, Ning. Bon, je dirais que c'est un peu naïf en allant all-in aussi loin sans avoir de vision sur le Zac, mais après ça, je ne m'attendais pas à ce que Jirex gagne non plus, mais franchement, ils ont bien résisté. Et il y a des moments où ils ont fait jeu égal avec les Chinois. Et le truc, c'est que, bon, IG a pu fight dans des conditions où Jirex a fait certains cadeaux, etc. Honnêtement, contre Fnatic, enfin, moi, de toute façon, je vois Fnatic finir premier de ce groupe. Hein, donc, on verra bien, ça se jouera contre Invictus Gaming, je pense. Ça sera un match accroché, en tout cas, quoi qu'il arrive. On aura un aller-retour pour ces deux équipes. Finalement, quand tu regardes la draft de Jirex, c'est pas si étonnant que ça, qu'ils aient pris un avantage en early, mais c'était peut-être pas suffisant pour qu'ils capitalisent là-dessus par la suite. Ou alors, on parlait de talent individuel des joueurs Invictus Gaming, est-ce que c'est ça qui a fait la différence ? C'est ça qui a fait la différence. Après, on peut surtout poser ça, je pense, sur le contrôle macro, en fait, finalement, parce que on regarde ici la situation. Bon, on a Olaf, bien sûr, date d'opération extrêmement rapide, mais il y a surtout Tahm Kench qui, à mon sens, a pas trop été utilisé pour renforcer justement les pressions sur les sidelines, et a raison, parce qu'il ne pouvait pas se le permettre, étant donné que Ning mettait une pression permanente avec divers all-in de son Zac. Et très franchement, Koala a extrêmement bien joué le coup, mais au bout d'un moment, effectivement, il pouvait pas être au rendez-vous à chaque fois, et il y a eu un catch sur le teamfight précédent, justement, où Stitch s'est fait allumer dès le début et n'a pas pu être sauvé. On pouvait très certainement avoir plus de pression sur la map avec une autre utilisation du Tahm Kench. Mais pouvait-il le faire face à un Zac ? Je pense que c'est un scénario assez particulier pour un Tahm Kench qui ne peut pas être utilisé de manière conventionnelle. Bah, tu as tout ce qu'il faut en fait pour Zac, de par son ulti, pour justement enlever les cibles que Tahm Kench voudrait essayer de sauver. C'est vrai que c'est compliqué. Justement, ce Zac qui est passé sous les radars en début de partie. Et ça a fait du bien à IG, finalement. On n'a pas envie qu'un jungler comme Zac se fasse bousculer dans la jungle par Olaf. Ouais, bah, le truc, c'est que effectivement, Ning a réussi à esquiver Bei Bei. Et après, c'est toujours pareil. Zac, on l'a vu pas mal cette année, un peu moins quand même depuis, sur le Summer Split. Mais c'est un champion qui est parfait pour forcer les fights mid à répétition. C'est un style qui convient très bien au Invictus Gaming, qui aime forcer des fights. Ouais. Et voilà, comme tu as dit, t'as beau avoir Tahm Kench. Il y a un moment, le Tahm Kench, il est juste un peu... Il est bloqué, en fait. Le Tahm Kench n'est pas exactement là. Il a un de ses alliés qui se fait go, qui n'a pas de flash. Il est un peu en retard. Bah, c'est terminé en fait. Et c'est la force de Zac. Tu peux claquer des engages monstrueuses toutes les 10 secondes quasiment. Donc voilà, oui, Zac, c'est bien. Faut passer l'early game. Par contre, effectivement, pour fight en late game, tout le monde considère que c'est vraiment un des tout meilleurs junglers du jeu. Ça convient bien au Invictus Gaming. Pour les fights, après, je suis pas sûr que contre Fnatic, par exemple, ils feront le choix de prendre un jungler peut-être aussi, qui peut être aussi faible en early game, tu vois. Enfin voilà, parce que je me projette déjà un peu sur la finale de ce groupe. Bah, on a d'autres joueurs en plus, peut-être l'entrée de The Shy, pourquoi pas, pour Invictus Gaming. Demain, quel serait le meilleur... On fait des petites projections comme ça, mais quel serait le meilleur top laner pour IG contre Fnatic? Bah, c'est dur à dire. Parce qu'il y a aussi deux chouettes top lane pour Fnatic. Un match-up tank contre tank, je pense que ce serait la meilleure top lane à mon avis. Parce que si... Donc Duke? Ouais. Plutôt Duke. Bah, peu importe, je pense que ce sera un match-up herbivore, quoi qu'il arrive. À mon avis, la différence ne se fera pas vraiment sur cette position-là, mais sur l'enjeu cataclysmique de la mid lane et de la bot lane. Pour le coup, je pense qu'il y a assez d'agressivité là pour qu'on s'intéresse au match-up top. Ça va être énorme. Bon, ça sera demain. On se penchera là-dessus demain. En tout cas, ici, victoire de l'équipe chinoise. Juste après la pause, on va retrouver Vitality qui affronteront Cloud9. Donc restez dans le coin. À tout de suite. Predator puts you in the battle. But the fight is all yours. Summon your strength.